Yo les gars, c'est Nation, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur One Punch Man World. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que je teste le jeu, ou plutôt que je fasse une petite vidéo dessus. Et pour tout vous dire, j'ai joué au jeu depuis la sortie. Donc c'était il y a combien de jours la sortie? Il y a une petite semaine à peu près. Et d'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse et qui kiffent beaucoup le jeu, parce que je vous le dis direct, mais il n'y aura pas énormément de vidéos sur le jeu. Parce que personnellement, c'est pas trop mon délire, même si je kiffe One Punch Man, etc. Les graphismes sont pas mal, etc. Mais je sais pas, en fait, j'accroche pas avec le jeu. Mais pour tous ceux que ça intéresse, j'avais fait la découverte de la bêta il y a quelques mois. Donc, si vous trouvez, vous pouvez marquer NSQ One Punch Man World. Puis normalement, vous allez trouver la bêta. Bon, là, j'ai des petits cadeaux, pourquoi pas. Par contre, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais du coup, oui, les gars. Vous regardez sur YouTube, vous marquez NSQ One Punch Man, puis vous allez trouver toutes mes petites vidéos, enfin ma seule vidéo de la bêta, et puis comme ça vous pourrez comparer avec le jeu actuel. Et donc c'est parti, on va se faire des petites invocations. J'ai économisé pas mal, et donc déjà on a l'invocation gratuite. J'avais déjà eu un SR, je crois, dans la gratuite. Bon, on va skip, hop, un R. J'avais déjà eu un SR plutôt stylé. Alors du coup d'ailleurs, je vous montre un peu les bannières qu'on a. Donc on a la débutante qui est payante de ouf, je crois, à 50 balles, je sais pas quoi. Tirage d'armes, ça c'est pour l'arme de... Je sais plus comment il s'appelle, Tatsumaki, un truc comme ça. Je sais plus trop, je m'en rappelle plus. Moi je préfère sa grande sœur perso. Ou c'est elle la grande sœur, je m'en rappelle plus. Mec, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé l'animé. J'espère que la prochaine saison elle sort bientôt. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de la prochaine saison avec Goru et tout. Garou plutôt. Bon bref, un truc comme ça. Donc... On va s'invoquer nous sur l'autre bannière. Parce que malheureusement, vous voyez que j'ai pas assez. Donc c'est parti. Première multi, les gars. Let's go. Après, je vais vous montrer mes personnages, etc. Parce que j'ai eu des trucs de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a eu des trucs violets, ok. Et malheureusement, ça a pas l'air d'être doré. Alors, on a quoi? Je vais régler ça tout seul. Ok, Stinger, je crois, il s'appelle celui-là. Ah bah, Oh mec, j'ai pas envie de décorcher son blaze. Encore elle. Stinger. Roulette Man. Woman Rider plutôt. Je me rappelle plus, le papy. Encore la madame. Eux, je les ai presque jamais vus. Golden Ball. Et puis, je sais pas qui. Juste, comment elle s'appelle elle? Mais même pas marqué son nom. Ok. Pas ouf cette multi. D'ailleurs, attendez. Avant de se faire la deuxième multi, je vais vous montrer mes personnages. Alors, j'ai le petit Genos SSR qui était gratuit. J'ai aussi le deuxième Genos SR qui est aussi gratuit. J'ai évidemment les trois persos gratuits. Donc, celui-ci, la madame et celui-là, je crois. Après, les gars, j'ai pogné celui-là en SR. Singer, Moustache Man. Lui, je crois qu'il est gratuit, les gars. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Et du coup, les gars. En, je crois, 20, en 20 invocations, j'ai eu Zombieman SSR. Et en plus, il est plutôt fort. J'aime beaucoup le perso. Il est très stylé. Regardez ce flow monumental. Donc, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a un bug parce que j'ai joué à la bêta du jeu, les gars. Et je n'ai pas eu mes récompenses bêta testeur. Donc, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un autre truc. Bon, je sais même plus. Je sais même plus, j'ai oublié. Hop, on continue du coup. Ah si, c'est ça que je voulais vous montrer justement. Les détails. Hop, historique. Regardez, si on descend un petit peu, regardez. On va peut-être pas compter, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. À peu près 23, je me rappelle. Donc en 23 poules, j'avais eu Zombieman. Donc j'avais plutôt pas mal de chance. Ok, c'est parti, on continue. Bam. Deuxième multi. Attention. D'ailleurs là c'est rigolo parce qu'on voit King, on voit lui avec son robot, il y avait Sonic à gauche, il y avait Samurai Man, j'avais vu. Malheureusement je crois qu'on n'a toujours pas de SSR, mais bon c'est normal en vrai les gars, c'est quand même plutôt rare. On a quoi? On a Genos, on a Moustache Man, elle je sais plus comment elle s'appelle, Moustique Girl, un truc comme ça, Mosquito, Moustachio, le petit chevalier, je sais même plus comment il s'appelle, je l'ai en plus lui, je crois on l'a vu tout à l'heure. Golden Ball, lui il était gratuit dans la bêta je crois. Je crois qu'il était gratuit dans la bêta. What the fuck? Wesh, c'est quoi? Non, c'est un SR lui. Oh, je me suis fait bait, les gars. Oh la dinguerie. Oh, je me suis fait bait. Oh, je me suis fait bait.
Il parle beaucoup. Je me suis fait bait de ouf. Et en plus, je l'ai déjà, je suis dégoûté. En vrai, pas mal la multi, non? Une nouvelle carte. Golden Ball SR, j'avais pas. 2 SR. Pas dégueu, pas dégueu. Bon, malheureusement, ça coûte très cher de faire des multis sur ce jeu. Donc, on n'a plus assez. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller dans les personnages. Je crois qu'on a débloqué les trucs. Alors, attendez. Laissez-moi regarder. Ok, voilà. C'est exactement ça. Renforcement d'armes. Boum. Hop. Donc, en gros, là, les gars, c'est comme les Eidolons ou les constellations sur Genshin. Donc, en gros, vous débloquez vos armes. Hop. D'ailleurs, celle-là, Blouse, je sais que tu l'as, cette petite constellation. Cette arme plutôt. Hop, on améliore. Donc, ça, les gars, c'est très important. N'oubliez pas de le faire. Parce que je crois que les armes, c'est que pour un seul personnage. Genre, vous pouvez pas avoir plusieurs armes. Genre, chaque arme est pour chaque perso. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, cette arme, c'est que pour lui. Etc. Etc. Si je dis pas de bêtises, si je dis de la merde, vous me contredirez dans les commentaires. Donc là, on l'améliore. Par contre, là, je l'améliore presque niveau max. Attendez. Oh, mais je crois que je peux l'améliorer niveau max. Je vais avoir un succès, non? Ah, c'était sûr, les gars. C'était sûr, j'ai eu un succès. Ok. D'ailleurs, dans la bêta, j'avais débloqué Sonic et tout. Je me rappelle qu'on avait le droit dans la bêta à des tirages infinis et tout. C'était trop bien. Comme sur Danmachi Battle Chronicle, pour ceux qui connaissent. C'était trop bien, les gars. Vraiment. Mais bon, malheureusement, là, c'est payant. Maintenant, c'est payant. Ils nous ont mis 260 pièces d'or, c'est un peu triste. Mais bon, c'est la vie, hein, les gars. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, on continue de renforcer nos armes. C'est une petite vidéo de chill, comme vous le voyez. Hop. Bon, déjà, si je pourrais renforcer plus vite, ça serait sympa. Ça m'éviterait de parler pendant 3 ans en disant n'importe quoi. Mais bon, le jeu, il veut pas, j'ai l'impression. Ok, enfin. Donc là, vous voyez que j'ai amélioré toutes mes armes. Hop. Donc c'est parfait. Mes personnages, je leur ai mis plein de mémoire, vous voyez. J'ai mis un petit peu aléatoire. Parce que on peut mettre en automatique. Et donc voilà les gars. C'est à peu près tout. Je vous montre aussi dans le shop, mais est-ce qu'ils ont laissé le pack à 1000 balles? Ça serait trop rigolo. Si je... Attendez, s'il y a encore. Non, je crois qu'il n'y est plus. Non. Non, ils l'ont enlevé. Les gars, c'était trop drôle. Il y avait un pack à 1000 euros. Qu'ils ont fait une réduction à 100 euros. Bon, c'est un peu de l'arnaque, je crois. Il y a eu plein de drama et tout. Il y en a, ils ont été bannis du jeu. Enfin, foi, mec. Le jeu, il était à peine sorti qu'il y avait déjà des dramas de fou. Ah, si, il est là! Oh! Il est là, le pack. 1000 balles. Vous avez le droit de choisir un nécessaire et 600 pièces. C'est pas ouf, je trouve. Pas très rentable. Enfin, voilà. 1000 balles pour ça. En plus, c'est réduction 90%. Ok. Et là, on a des Battle Pass. Bon, bah, les gars. On va s'arrêter là, je pense, hein. On a un peu fait des invocations, je vous ai un peu montré mon compte. Dites-moi si jamais c'est bien mon compte. Et puis si jamais j'ai mes récompenses de bêta-testeur, je referai peut-être une vidéo. Et puis si vous voulez du gameplay aussi, parce que je trouve que c'est le plus intéressant sur ce jeu. À part le gameplay et les graphismes, il n'y a pas grand-chose, je trouve. C'est un peu dommage. La bêta, j'avais bien aimé, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, des petits commentaires pour le référencement. Allez, ciao!